c'est comme un genre de résumé de mon travail, d'où je suis rendu un petit peu dans ma démarche. Alors, je dois dire, moi, que par rapport au sujet, c'est pas quelque chose qui fait le départ du tableau. C'est ce qui fait le départ du tableau pour moi, c'est plus une question de marier le dessin, la texture, la couleur et puis la composition. C'est d'abord ça, moi, qui m'intéresse, avant le sujet. Alors, le sujet, ben, ça m'en prend un, parce que je suis un peintre figuratif, mais je pense plutôt comme une espèce d'abstrait, dans le sens que, pour moi, ce qui prédomine, c'est d'abord la composition, la texture, le dessin, c'est-à-dire le mouvement, et puis tout ça de marier ces choses-là ensemble. On peut dire que cette technique-là me fait en sorte que les gens peuvent facilement me reconnaître à cause que je travaille déjà sur une texture de fond, une toile préparée. Et puis, depuis maintenant les années 1990, c'est à peu près ma façon de travailler. Et puis, on peut facilement reconnaître cette espèce de technique de fabrication de fond. C'est une espèce d'influence des cubistes, par exemple. La peinture cubiste. Alors, on parle de Braque, de Picasso, et puis des gens qui ont suivi un petit peu. C'est quelque chose qui dans la peinture, moi, m'intéresse beaucoup. C'est pas moi qui ai inventé ça, mais je suis ce chemin-là. Je trouve ça intéressant d'avoir sur un format une surface qui a une profondeur et puis qui a aussi des choses qui avancent et qui reculent indépendamment du sujet. Ça va comme une espèce d'opposition à la perspective. La perspective donnait la profondeur au tableau. Avec la peinture moderne, c'est plutôt la surface qui a compté. C'est une nouvelle idée d'aborder la peinture, c'est de donner une importance à la surface. Alors, on garde quand même l'idée de profondeur, mais indépendamment du sujet. Alors, pour attirer l'attention, je mets des petites choses qui font en sorte que l'œil va se promener dans la surface du tableau, un peu indépendamment du sujet. Chacun va faire son interprétation du fait que on aime ça ou on n'aime pas ça. On entre dans le tableau ou on n'entre pas. Et puis si on a plutôt tel éclairage ou tel état d'esprit, on va rentrer d'une façon différente dans le tableau puis on va découvrir des choses différentes à chaque fois. Je présente une vingtaine de toiles pour c'est l'ouvrage que j'ai fait pendant la dernière année. Puis, c'est mon travail. Et la peinture des paysages, là-même, ça fait une quarantaine d'années. Ouais. Avant ça, j'étais dans le graphiste à Montréal. J'ai fait des annonces puis, pour la télévision. Puis, tout ça, t'as fait la même. Moi, je reste sur une terre, je reste dans une campagne. Puis, il y a des animaux partout. C'est facile à trouver le sujet. Ils sont tous là, ils sont tous autour de moi. Puis, j'aime ça travailler dehors sur place. Puis, quand on sort pour faire un petit bout dans le chemin, là, on trouve tout ça de sujets. Puis, on s'installe au bord du chemin, puis on commence à faire, on travaille là. Et je fais des signes de cowboy de temps en temps. Mais là, je fais ça pour m'amuser dans le studio. L'hiver, quand il fait trop fret pour sortir dehors, c'est ça que je fais. C'est un peu impressionnistique. C'est pas du tout trop détaillé. C'est rough, puis c'est le même que j'aime travailler. Quand on travaille dehors, il faut travailler vite parce que la température, c'est pas toujours beau. Il faut travailler pas mal vite pour travailler. Il fait. Pour jouer trop longtemps avec des petits détails, là, ça marche pas. Il faut le mettre vite.
Je présente mes œuvres depuis que je travaille depuis un an. Je présente ma production d'hiver avec l'hiver qu'on a eu, l'hiver rigoureux, l'hiver difficile. Je suis restée à l'intérieur et puis j'ai travaillé. C'est surtout des femmes, des natures mortes, quelques natures mortes aussi. Le personnage féminin, d'abord je suis une femme. On peint bien ce qu'on connaît bien à quelque part. Et puis la femme reflète le côté pureté, grâce. Alors on peut jouer énormément avec les formes et les couleurs à partir de seulement ces deux qualités-là. La technique est hyper réaliste, sans être tout à fait trompe-l'œil. Je ne me sers pas de modèle, je n'ai pas de modèle. Alors je compose, je commence à dessiner, le dessin prend de l'ampleur, s'élargit, agrandit, coupe et tout. Je vais chercher à gauche et à droite quelques modèles de mains, par exemple. Je peux partir aussi d'une inclinaison de tête, une ombre que je vois quelque part. Tout ça m'inspire et fait en sorte que le tableau commence à prendre de la vie. Alors je commence par un dessin très élaboré, que je reproduis sur une toile et ensuite je commence à peindre. Alors je fais une ébauche pour saisir les couleurs, les tonalités. Il y a trois étapes très importantes avant de commencer à peindre et après je peins. C'est comme si je faisais le tableau trois fois avant de le peindre. J'ai commencé même en faisant un peu d'abstrait. J'ai touché à tous les médiums, l'aquarelle, le pastel, le crayon. J'ai fait un peu de sculpture aussi, à gauche, à droite. J'ai touché un peu à tout. Ce que j'aimais en particulier, c'est l'huile. L'huile, c'est une matière vivante. C'est sensuel comme matière aussi. Puis je peux faire n'importe quoi avec ça. Ça ne sèche pas tout de suite. Alors, j'ai besoin de retoucher, de venir refignoler mon tableau. Alors, c'est vraiment la matière que je préfère, mais le style a évolué pour devenir de plus en plus réaliste. Au début, je dis au début, peut-être il y a 30 ans, je voulais comme pas m'en aller vers là. Je sais pas pourquoi, j'avais une petite réticence de faire du figuratif, peut-être parce que j'étais incapable de me payer des modèles vivants ou des choses comme ça. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que non, c'est ce qui s'émanait le plus naturellement de moi. Alors, j'ai choisi d'y aller selon mes tendances, tout simplement. Ça fait plus de 40 ans que je peins. Alors, ça ne me rajeunit pas, mais c'est ça, à temps plein. Puis, c'est un travail, c'est une technique d'abord qui demande beaucoup, beaucoup de rigueur, je dirais. Aujourd'hui, ce que je présente est je pense que c'est le reflet de ce que j'ai toujours fait, à savoir du paysage fait sur le motif de la nature morte, des tableaux plus fantaisistes. Ça, c'est le côté moins, plus caché de moi, là, j'en fais moins, mais j'aime toujours en faire. Des aspects de la mythologie aussi. J'aime beaucoup traiter de la mythologie. C'est comme la mythologie, c'est les travers et les beautés de l'humain que je réactualise, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, ça ressemble à ça. Le parcours, c'est un parcours de 37 années. Ça fait 37 ans que je peins. Alors, j'en suis rendu là. Ce que vous voyez ici, là, il y a des tableaux d'une dizaine d'années, ici, qui datent déjà de 10 ans, mais que je n'ai pas présenté beaucoup pour toutes sortes de raisons. Les expositions, parfois, manquent d'espace, etc. Mais en général, ça représente assez bien mon parcours. La technique est particulière en ce sens que c'est presque toujours sur panneau. Je travaille avec une technique ancienne qui s'apparente aux Flamands et aux Vénitiens de l'époque italienne de la Renaissance. C'est un apprentissage qui m'a pris une bonne douzaine d'années à posséder. La cuisine est lourde. La connaissance des huiles, la connaissance des vernis, la connaissance des fonds. Comme je vous dis, je travaille sur panneau. Alors, la finition, elle donne pas le résultat, c'est-à-dire, donne pas la même chose que sur une toile. Par exemple, le tableau que vous voyez ici, c'est une toile. La liseuse, c'est une toile. Mais c'était une question d'espace que j'avais. Puis, et quand on devient avec un trop grand format, le panneau devient trop lourd, de toute façon.
Alors, comme je vais sur le motif, souvent, si j'ai à peindre un paysage sur le motif, je vais amener une toile parce que c'est plus léger, plus facile. Sur panneau, l'essentiel est sur panneau, par contre. Pour moi, un tableau, c'est comme un grand principe de philosophie, c'est du général au particulier. Et le détail, il vient toujours en dernier. Le détail, c'est pas la chose qui est là d'abord, au premier abord. Souvent, c'est ce qui fait une grande différence. Bon, ben c'est ça. En dernier, c'est comme les petites touches. Le détail vient comme mettre de la dentelle au paysage ou qu'importe. Dès le début, ça fait 37 ans que je peins, et dès le début, mes principales influences étaient des influences classiques. Donc, j'ai appris le dessin. Je dessine toujours le modèle après 37 ans. Deux fois par semaine, je dessine le modèle. Je dessine beaucoup le paysage, au dessin aussi. Je vais faire des croquis. Le croquis, pour moi, le dessin, est une base, est vraiment une base. Alors, le processus, c'est ça. C'est de faire une étude. J'étudie mon sujet. Je fais une étude. Je fais des croquis sur encore des études du sujet et j'approfondis le sujet de cette façon-là. Quand je suis prêt, je le réalise. Yvon, comme personne, c'est une personne un peu, qu'on peut dire, qui était une personne un peu exceptionnelle dans le monde des galeries. Il était, premièrement, il était aimé de tout le monde. Et puis, il y avait une personnalité, d'abord, Yvon, on peut dire, la chose qu'il caractérisait, c'était d'abord un gars très, très, très sympathique, qui était ouvert à tout le monde, avec des idées comme un bon vivant d'abord, tout le temps, tout le temps. Alors, ça fait longtemps que j'étais avec Yvon. Il a toujours aimé tout mon travail, puis il vendait ça très facilement, puis ça a bien été pour moi. Ça a toujours été un grand chose pour moi. C'est Yvon qui... Je connaissais Yvon, malheureusement décédé aujourd'hui. C'était vraiment une belle personne, un bon père pour... je disais un père parce qu'il était très paternel avec moi. J'avais pas beaucoup d'expérience dans les galeries quand on s'est connus. Le lien avec Yvon et moi, ça a toujours été très artistique, très professionnel. C'est quelqu'un qui m'a aidé beaucoup. Il achetait des tableaux, il nous encourageait, les peintres. Il nous manque énormément. Rappelez-vous, ceux qui le connaissent depuis des lustres, Yvon a commencé simple barbier et aujourd'hui, on pourrait peut-être qualifier ça d'un temple du bon goût, un temple de la joie de vivre, c'était Yvon. Alors, ses enfants, ses petits-enfants, il y a quelques petits-enfants qui sont ici. Alors, tous ceux qui sont des proches de sa famille, ont prié de vous dire merci au nom d'Yvon. Et moi, je rajoute, Yvon n'est plus, vive Yvon. Mmh. Mmh.